Bonjour tout le monde, c'est Testor de Jeux Pas Cool. Je suis ici pour vous commenter une partie de Battlefield 1942. Bon bah c'est le chargement, je suis sur la map Battle Axe. Si jamais je me suis fait hacker, et puis c'est pas une plaisanterie, c'était vraiment vrai, il a modifié tout mon pseudo, il m'a piraté tout mon compte et tout ça. Bref quoi, je suis avec les alliés là. Je prends la petite mitrailleuse. Je fais un kill déjà. Je tire. Et je couvre mes deux alliés. Là, je vois qu'il y a quelqu'un. Je tire désespérément. J'essaie toujours de tirer. Là, j'en ai eu un. Pendant que mes alliés vont aller capturer le drapeau, bah moi je les couvre en essayant de tirer sur les gens. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pareil que les autres Battlefield. C'est développé par DICE et c'est édité par... Ah, je viens de faire un kill. Édité par IE. Et ou bien c'est l'inverse, je sais plus. Là, je m'approche, je me mets à couvert, enfin à plat ventre. Je tire un peu n'importe comment. Mais mon allié a tué l'ennemi, là j'en tue un. Enfin je viens d'en tuer un, là je recharge. Je vois un tank, enfin ouais, un véhicule. Je me fais tuer par le véhicule. Ah non, par quelqu'un à la mitraillette. C'est très long les respawns. 2 secondes. Là, je reviens, je prends la tourelle et j'essaie toujours de tirer. J'en tue un. Ce jeu respecte vraiment bien la Deuxième Guerre mondiale avec les alliés, l'Axe, les alliés ayant la France. Les États-Unis et puis l'Angleterre. Enfin, il y a aussi la Chine. Ça, c'est en Asie plutôt. Ou bien avec l'Axe, c'est tous les petits pays du genre, sauf l'Allemagne qui était assez immense. L'Allemagne. Ah là, je me suis fait tuer. Il y avait genre l'Allemagne, l'Italie. Enfin, c'est quand même deux grands pays. Le Japon, qui est aussi un grand pays, mais quand je dis petit pays, c'est que c'est plus petit que les pays des alliés. Et le Japon. Et puis c'est tout, il me semble. Mais en Europe, les plus importants, c'est les Allemands et puis les Italiens. Là, nous sommes en train de perdre. 373 à 374. Oui, je suis suisse. Enfin, je viens du pays qui s'appelle la Suisse. ou bien pour les Français, maintenant ça fonctionne. 370 à 368. Là, je vois quelqu'un. J'ai sauvé mon coéquipier. Le tir allié dans ce mode est. Permis, donc j'en tue 3 d'affilée, donc faut faire attention à ses alliés. Ah non, là j'ai vu le véhicule qui était en feu, puis il a explosé. C'était un avion qui l'a tiré dessus. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo en avion, mais pour l'instant, pas tout de suite.
Il y a quand même beaucoup de bugs avec Fraps. Je pense que c'est moi qui a mis les FPS trop haut ou des trucs comme ça. Ou bien c'est mon ordi qui rame trop. J'espère ça que vous apprécierez le gameplay quand même. Là, je lance ma grenade sur le char. Là, je l'ai détruit avec en tuant son conducteur avec. Là, je vais prendre le drapeau ennemi. Là, je vais tout faire pour survivre. Alors, et pendant ce temps, je récupère des munitions. Je me ravitaille, quoi. J'en tue un. Là, je recharge. Et c'est bon, on a pris et la base. J'essaie de le prendre. C'est bon, je l'ai eu. Là, c'est bon, je l'ai eu. Il y en a deux. Je les ai eu les deux. Enfin, un seul parce que l'autre il s'est pris une explosion dessus. Maintenant, j'en ai tué un. Pour le moment, maintenant je vais prendre la base du milieu, celle qui est la plus importante. J'en vois deux qui m'ont pas vu, enfin qui m'ont vu mais qui ont tracé le chemin, donc je peux les éliminer facilement. Là, j'ai esquivé des missiles qui étaient destinés pour moi, il me semble, je sais pas. Là, je prends un tank, on va dire. On peut pas trop dire que c'est un tank parce que c'est pas vraiment un tank. Donc, c'est un char, on va dire. Ok, ça, c'est la même chose, tank et char, mais voilà. Là, je veux pas dire un massacre que je suis en train de faire, mais je suis quand même en train d'éliminer plusieurs ennemis. Là, je vois qu'il y a un véhicule de transport qui est arrivé et plein de personnes sont sorties pour essayer de capturer le drapeau du milieu. Là, je fais un petit carnage, on va dire. Ensuite, je prends le véhicule pour aller plus près du tank. Et là, j'ai essayé de détruire l'ancien tank que j'avais utilisé. Et là, je suis en train de conduire. Là, c'est du 350 à 182 ou 182, mais maintenant c'est plus 182. Ça a descendu. Là, je vois un véhicule. Là, il a essayé de me toucher. J'ai un allié ici, mais je pense qu'il va pas s'en sortir. On essaie de lancer des grenades pour détruire le véhicule. C'est bon, il est mort, mon équipier. C'est moi qui ai détruit le véhicule. Non, c'est pas moi. Là, j'en vois un autre. Je préfère rebrousser chemin. Et puis je vois que les bases ont été mis en drapeau blanc, ça veut dire que l'Axe a réussi à les capturer, ils ont réussi à faire en sorte qu'on peut plus respawn là-bas. Là, je suis vers leur spawn, ils sont obligés pour descendre de passer par ici ou par l'autre côté, je peux vite les avoir facilement. Il y en a plusieurs. Je vous réserve la surprise, mais ça va être décevant. J'ai plus de munitions, j'essaie de me débrouiller avec n'importe quelle arme. Là, je vois un lance-roquette, enfin un bazooka, et ben non. Je tire et ça fait des hit markers. C'est très décevant. Là, je peux voir 53. Enfin, le score, c'est le score qui est à 53, donc j'ai fait un 53. J'ai tué plusieurs ennemis et puis plus les deux drapeaux que j'ai capturés.
j'en ai capturé deux, il me semble. Donc là, j'essaie d'aller au milieu pour voir s'il y a un char, mais il n'y en a pas. Donc je devrais grimper cette colline à pied. Là, on est à 334 à 90. Mais non, tout ça pour les Suisses, je pense qu'ils comprennent. Ou bien ils ont qu'à arrêter la mettre pause à la vidéo et puis essayer de comprendre. Là, ils ont 67. Ils ont tué 3 à la grenade. En plus. Là, ils en voient encore 3. Je tire ma grenade. J'en tue 3 ou 4. J'en revois 3, 4. Je tire ma grenade et je les tue presque tous. Les grenades là. Dans ce jeu, les grenades sont très importantes puisqu'on fait du 32 contre 32. Voilà, ils ont perdu. Ok, bon, je vais vous dire, en fait, là, je suis joué contre des bots. Au revoir.